Je voulais d'abord remercier les fans. Les supporters de Virunga étaient présents. Et c'est l'occasion, effectivement, de dire à toute la population du Nord Kivu de continuer à soutenir les meilleurs clubs de la province, les clubs les plus titrés de la province, bien sûr, les clubs champions de la ville de Goma, les DC Virunga. L'équipe se porte très bien. Donc, comme vous le savez, l'équipe est en local pour le moment. Bien sûr, pour se préparer par rapport à l'INAFOOT qui s'annonce bientôt. Continuons à nous faire confiance parce que même à l'extérieur, nous allons bien vous représenter. Et aujourd'hui, on vient de comprendre que la Ligue D ne nous appartient plus. Nous sommes en train de rêver déjà la Ligue 1. Vous-même, vous avez vu même le niveau de la possession des ballons. Rien à dire. Et c'est déplorable de voir les voisins de ces Kabachas se comporter de cette façon. Ce n'est pas sérieux. Vous-même, vous avez vu comment leurs supporters jetaient des pierres à nos joueurs. C'est pas ça le foot. On ne sait même pas si on peut souhaiter jouer avec eux. D'abord, du point niveau. Ils n'ont pas notre niveau. Et deuxièmement, aussi les comportements. Ce n'est pas sérieux. Vous étiez là, vous avez suivi. Ce n'est pas à nous de donner des conseils aux voisins. Hein? Ce n'est pas à nous. Mais si aujourd'hui, l'AS Kabach avait évolué, veut aussi être à notre niveau, il faut changer. Il faut changer les comités, il faut changer les dirigeants. Ils doivent commencer à payer les joueurs, ils doivent commencer à faire entraîner leurs joueurs. Mais c'est ce qui ne se fait pas. Vous allez observer aujourd'hui, au lieu de se contenter de leurs joueurs, ils devaient recourir aux joueurs des Dauphins, des joueurs je ne sais pas d'où. Et nous avons joué avec une sélection. Ce n'est pas, un club n'évolue pas comme ça. Un club évolue avec leurs joueurs. Nous avons acheté des Nigériens, nous avons des internationaux qui jouent chez nous. Et donc, si vraiment Kabach avait évolué, l'unique conseil qu'on peut donner, c'est de faire partir les comités qui ne veulent pas respecter les joueurs. Bon, Daigle Virunga s'entraîne déjà chaque jour. On est vraiment en pleine préparation pour le début du championnat qui commence, je crois, au mois d'août pour la l'INAFOOT et la Coupe du Congo aussi. Est-ce que vous aurez de nouveaux joueurs dans les jours à venir? Ça, c'est notre habitude, ça, c'est Virunga. On ne saura pas jouer avec les mercenaires, donc. Si même toi tu connais un bon joueur qui est partout au monde, tu peux recommander et Virunga sera prêt pour le recruter. Virunga souhaite également le fan. Est-ce que vous avez justement un mot que vous pouvez placer à l'endroit Bien sûr, c'est un grand merci. Ils nous ont soutenus du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup à tous les fans du dernier club de Virunga. Président Boni, est-ce qu'on peut s'attendre avant la fin de cette année des matchs amicaux avec les grandes équipes comme DCMP, Renaissance ou Mazembe? Bien sûr, quand ils seront disponibles, on va jouer avec eux. C'est ça notre niveau. C'est ce qu'on aspire. Même là maintenant, quand le président était à Lubumbashi, il a essayé de contacter le président du tout puissant, non, de FC Lupopo. Malheureusement, ils avaient déjà libéré leurs joueurs. On attend. Dès qu'ils auront le temps, on pourra jouer des matchs amicaux avec toutes les équipes, même des pays frontaliers, il n'y a pas de problème.